Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football. Hello everybody, and welcome to today's match. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Mais le ballon a franchi la ligne. C'est bien fait ça. Attention la frappe. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Moi je trouve que c'était plutôt pas mal. Je suis sûr que son prochain tir sera cadré. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Kenny. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. C'est joué dans la profondeur. Il est bien placé. Dommage que ça ne soit pas allé au bout. C'était une bonne occasion. C'est repoussé. C'est vite récupéré. Oh. Dans la profondeur, bien servi. Ouf, un peu d'air. Le Paris Saint-Germain, qui, si j'ai bien noté, n'a pas encore cadré dans cette rencontre. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il préfère jouer avec son gardien. Un peu d'oxygène. Kenny. En retrait vers son gardien. Sans se poser de questions. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Autour du gardien de jouer. Mais ce serait sans doute une bonne idée d'ouvrir le score au meilleur des moments possibles, juste avant la pause. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. C'est dégagé, loin. Kerrer. Ça n'ira pas plus loin. Un grand dégagement le plus loin possible. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués et la pause va leur faire du bien. Égalité entre les deux équipes. 0-0 à la pause, espérons une seconde période un peu plus animée. Écoutez, il suffit de regarder les statistiques pour voir qu'il y a un truc qui cloche. Zéro tir sur toute une mi-temps, c'est pas normal. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué, le match vient tout juste de reprendre. Ils ont vécu une première période très compliquée. J'imagine que le manager les a remotivés à la pause. Espérons qu'ils corrigent le tir dans cette deuxième mi-temps. Weber. Le Paris Saint-Germain qui met beaucoup d'intensité à la perte de balle. Oui, je trouve qu'ils font un superbe pressing. Surtout les attaquants d'ailleurs. Comment on dit ? Il peut reprendre de voler ! Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion.
Le bon dégagement. Le jeu repart vers la droite. La longue passe. Il ne se pose pas de questions. Allez, ça peut faire mal. Dans la boîte. Mais si. Il a complètement réussi son geste. Ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte. Non, ça ne passera pas. Oh, la frappe! Oh, il marque! Et c'est interdit de perdre un ballon si près de son but. Eh oui, une seconde d'inattention peut parfois coûter très très cher. On est reparti. Ils sont devant au score, mais il reste encore pas mal de temps dans ce match. Il cherche son coéquipier. Oh, Messi! Non, ça manque d'application. Sur la gauche. C'est joué long, attention. Messi! Oh, le gardien s'interpose! Ça s'est joué à rien! Substitution on the field. Number 21. Premier corner dans cette rencontre. Coming on to replace him is. De la tête. Number 15. Oh, ça méritait un meilleur sort. Oui, il n'a pas réussi à cadrer. Il va s'en vouloir. C'est joué long. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Il y a danger. Mais si. Ça aurait pu sceller le résultat. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été quasi impossible pour eux. Attention là. On peut frapper là. Oh, et but. Le but. C'est peut-être un pas de géant vers la victoire. C'était vraiment tendre le bâton pour se faire battre là. Messi a parfaitement profité de ce petit cadeau. Bravo pour l'efficacité. Le goal score for Paris Saint-Germain after 77 minutes is number 11, Lionel Messi. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Il a trébuché sur cette intervention. Faute. Non, ça manque d'application. Mais si. Le ballon renvoyé par le poteau. L'arbitre a sifflé, faute. Substitution on the field. Number 4. Coming on the field is number 8. Rien à dire, c'était pro.
est dégagé. En retrait. Pas tellement de solutions. Il cherche la profondeur. Weber. À droite. Kenny qui est bien placé. La passe est précise. Oh, l'occasion! That's a long time. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Encore. C'est joué. Bon, c'est bien joué. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Un petit but d'écart à l'arrivée, mais on ne s'est pas ennuyé une seule seconde dans cette rencontre. Le football permet de vivre de belles